Bonjour à tous, c'est Ryan Gall, 17ème étape du Giro 2016. On sort d'une étape entre Udine et San Daniele del Friuli où on a remporté une victoire absolument incroyable avec Gianluca Brambilla en s'imposant en échappée alors que le peloton était vraiment revenu sur les talons. On finit avec peut-être 4 mètres d'avance sur Arnaud Démarche. Bon, je ne suis pas encore remis de celle-là. Les choses sérieuses commencent puisqu'on va enchaîner Bassano del Grappa, Madonna di Campiglio, puis Pinzolo Laghi di Cancano sur les deux prochaines étapes. Deux étapes longues avec beaucoup d'ascensions, beaucoup de cols hors catégorie. Ça va faire très mal. Il va y avoir de gros dégâts. Le Giro se joue aujourd'hui et demain. Et on est toujours premier avec Vincenzo Nibali, 43 d'avance sur Geraint Thomas, 2,19 sur Simon Yates. Fuglsang est quasiment à 4 minutes. Et après, c'est beaucoup plus loin, il va falloir assurer sur l'étape très très difficile qui nous attend aujourd'hui avec les ascensions de la Forcella Valbona, du Monte Bondone et enfin on a également le Passo Durone et l'ascension vers Madonna di Campiglio. Ça va être très difficile et on va voir ça tout de suite. On va croiser les doigts pour une bonne forme avec Vincenzo Nibali parce que si on n'est pas en bonne forme ça va être compliqué. Je crois que même en forme exécrable, je serai parti avec lui. Il y a beaucoup de points, 80 à prendre aujourd'hui a priori. Donc, au classement montagne, j'entends. Donc, on va tenter le coup avec Giulio Ciccone. Petite question bonus. Brambilla est un peu loin, on avait dit quand même, hein, pour récupérer le... Ouais, on va suivre... Ah, quoique, non. On va pas partir tout de suite, on va sacrifier Winning et Mosca, leur dire de faire un 90 dès le début de l'étape. Nibali va protéger le frangin, Conchi va protéger Julien Bernard et Giulio Ciccone va se démerder. Ça part aux avant-postes, Simone Ravanelli, Raphaël Guerrero, Ruben Guerrero pardon. Sauf qu'en fait c'est pas sorti. Ça y est, c'est sorti. Et le peloton qui va très probablement rouler derrière les échappés. Oh oui, ça roule. Oh oui, ça roule. Oh oui, ça laisse pas partir. Alors surtout si Peter Wenning fait un rythme à 90 derrière. Alors du coup, non. Vous deux vous arrêtez. Hop. Voilà, on va voir où ça va avec cette échappée. Bon, je pense que de toute façon... avant le sprint intermédiaire, on pourra pas s'échapper, c'est même quasiment certain. Donc on va un peu sucer les roues et puis ça ira bien. Allez, on arrive doucement au sprint intermédiaire en peloton scindé en deux. C'est un peu le bordel hein, pour tout vous dire. C'est un peu le bordel pour l'instant. Et il y a Visconti qui est parvenu à s'échapper. Attention. Allez, on va essayer de lancer le sprint alors qu'on n'a rien à foutre du sprint. C'est juste pour essayer de sortir du peloton. Mais je ne sors pas du peloton. Alors on va faire genre, on fait le sprint et on va poursuivre derrière. Ah, on est sorti quand même un peu là. Galopin, Pozzo Vivo, Visconti qui sont sortis. Ah, Pozzo Vivo faisait juste le sprint. Bah c'est bien les gars. Moi je pars avec Visconti. Qu'est-ce que c'est Pozzo Vivo qui va faire le sprint? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Visconti, attends-moi, on sera plus fort à deux. On est parti, on était 30... on était 16. On était 16 avec une cinquantaine de secondes d'avance. Il y a un groupe de gains qui s'est formé pour partir en contre-attaque. Et évidemment, ça n'a plus laissé partir à partir de là. Messieurs, bonjour. Bah, très bien, je vais me mettre dans votre roue alors. Parce que là, je suis un peu cramé pour tout vous dire. Ça roule fort, hein. Ça roule fort. On n'a pas encore attaqué l'ascension. Et ça roule déjà très fort. Ça va être compliqué cette histoire. Covili qui vient renforcer son maillot blanc. Joe Dombrowski, Visconti. Si on part à 4 comme ça, on est le meilleur grimpeur, hein. Clairement. Allez, c'est parti, on s'élance à l'assaut du Forcella Valbona. On a 51 secondes d'avance sur le peloton. Il y a plusieurs groupes hein, qui essaient de nous rejoindre. On est 11 désormais. Alors par contre, c'est clairement pas moi qui vais faire le rythme, les gars. Moi, je suis juste là pour prendre les points. Et vous laissez vous démerder. Une 13 désormais sur le peloton qui laisse partir. C'est bien, on va vérifier nos protections. Nibali qui n'est plus protégé. Alors, Moshka, tu vas protéger... Julien Bernard et Winning, tu vas protéger Nibali. Nous, on va essayer de se dépatouiller dans notre petit groupe. Brambilla, on a essayé de lui faire prendre des points, mais on n'est pas arrivé à le faire sortir.
ce qui est assez normal. On dira, alors, qui on a dans ce groupe? On a Luca Covilli, Kylian Franchi, Nicolas Edé, Peter Seri, Joe Dombrowski, Simone Ravanelli, Thomas De Gendt, Eduardo Zardini, Daniel Kangert, Giovanni Visconti. Il nous en manque. Oula, on est 19 désormais, il y en a plein qui arrivent de derrière. Ah oui, il y en a quelques-uns là qui ont vu s'échapper. Et le peloton qui va commencer à revenir parce que une 25 ça va pas leur convenir. Bref, on va continuer sur l'ascension, on se retrouve un petit peu plus loin. Ok, les choses qui sont plus ou moins rentrées dans l'ordre maintenant dans cette échappée. On a Marc Padoun devant, Brian McNulty, Lag et Brexabier, Joe Hindley, Carboni, Nicolas Edé, Simone Ravanelli, Luca Covilli, Samoumen, Joe Dombrowski, Diego Lucci, Giovanni Visconti, Dal Gangert, Luis Menties, Peter Seri, James Knox. On a vu Kiriko qui était passé, Pozzo Vivo est là, Kylian Franchini, Lorenzo Rota, Dani Navarro, Eduardo Zardini, Ruben Guerrero et Ben O'Connor, et le peloton qui est juste une 25 derrière nous. Alors se lever un petit peu les doigts et remonter là sur dans l'échappée parce qu'on est en train de se faire décrocher. C'est une blague? Ah bah non, c'est pas une blague. On était en train de se faire on s'est fait décrocher, mais c'est une blague ou quoi? Hop là, merci. On va passer sur le côté parce que là ça me va pas du tout. Donc ça va être une ascension qui va être longue. C'est une étape qui va être longue de toute façon. Donc on va essayer de remonter un peu aux avant-postes, suivre le rythme des équipiers et réattaquer parce que une 11, le peloton n'a pas du tout l'intention de lâcher l'affaire. Et ça roule pas vraiment très fort dans cette échappée. Hein. On est sur du 80. On est plus sur un premier peloton que sur vraiment un groupe d'échappés. Donc je vais tenter de me faire la malle. Probablement dans le passage rouge un petit peu plus loin, je pense qu'on se retrouvera là. Allez, ça commence à péter, hein. Simone Ravanelli qui vient de sauter, je pense que Lorenzo Rota s'est terminé également dans ce groupe. C'est Gabriel Xavier hein, qui fait un énorme rythme et qui nous met mal hein, aussi. Ça pète petit à petit. Lorenzo Rota qui apparemment a réussi à se reprendre. On est en train d'arriver sur la partie difficile. Je vais pas attaquer maintenant moi parce qu'on est beaucoup trop loin du sommet et j'ai vraiment plus assez d'énergie. Je vais me contenter de suivre le rythme, à moins que ça pète devant, dans ce cas-là j'aviserai. Et Marc Padoun qui est en train de partir. Allez, on attaque, on attaque. On s'est fait reprendre par le peloton. Et il y a Marc Padoun qui est en train de s'échapper. On n'a pas vraiment de choix sur ce coup-là. Allez, on est bien sorti. Le peloton qui laisse partir du coup, puisqu'on n'est plus que deux à être en dehors. Maintenant, il va falloir se gérer parce qu'elle est encore longue cette ascension. J'ai mon rouge à prendre, j'ai mon bleu à prendre. Mais ça va pas faire la salade cette histoire. On part à deux avec Marc Padoun. Eh ouais, j'avais pas pensé à un truc, c'est que c'est difficile pour Chicone devant, mais derrière c'est à 30 secondes et tout le monde est en train de morfler. Nibali, Bernard, les autres ont tous été lâchés déjà. J'ai fait prendre aucun bleu à personne, c'est très compliqué. Et ça relance encore derrière, il y a encore des mecs qui continuent à attaquer. C'est une étape qui va faire vraiment, vraiment très très mal. Il y a plus que 30 coureurs dans le groupe des favoris à 130 km de l'arrivée. Allez, les 5 derniers kilomètres et on est seul avec Marc Padoun. On a 2 minutes d'avance désormais sur le peloton qui a enfin lâché l'affaire. Ça va peut-être se regrouper petit à petit. Marc Padoun bien accroché dans notre roue qui tout simplement ne lâche rien. Et il a bien raison. Il est sur un 60. Moi ça me dérange pas de rester à 2 pour l'instant. L'essentiel c'est de continuer petit à petit à faire un écart avec le peloton. Et l'écart a l'air de bien bien augmenter. On a encore 4 km hein, dans ce Forcella Valbona. Il montre pas de signe de faiblesse, Marc Padoun. Nous on a encore le bleu à prendre qu'on va prendre petit à petit. En espérant arriver à le faire craquer hein, au rythme. Mais il a l'air solide, vraiment Marc Padoun, il m'impressionne aujourd'hui. Il est classé 10ème au maillot blanc à 13 minutes. Bon a priori il devrait pas revenir quand même sur les meilleurs. Le maillot blanc est toujours dans le peloton principal, donc il s'est bien accroché. Tandis que nous, on continue d'augmenter notre avance pour ce même maillot blanc. Attention, là, on va attaquer le rouge normalement. C'est le calcul. 3 km du sommet. Il va falloir rester dans la gestion. Hein. Marc Padoun qui tient toujours. Hein, il souffre pas de notre rythme, je suis un peu surpris même. Je vais regarder combien il a tiens en montagne Marc Padoun parce que très sincèrement j'en ai aucune idée. Alors on a dit j'étais 10ème au maillot blanc, ce sera plus rapide pour le retrouver. 75 montagnes, 66 endurance, mais c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Pardon. Comment il fait pour encore me suivre?
Allez, je pense qu'il n'est pas classé, hein, au maillot grimpeur. Non, il n'a pas un seul point de kilomètre 4. On va prendre tout notre bleu. On va augmenter un peu le rythme. Ah, c'est pas énorme, hein, ce qu'il nous reste. Allez, le groupe, ouais, le groupe des leaders qui s'est bien reformé avec Brandbia et Conchi, ça a bien ralenti. Hein. Ça a bien ralenti devant. Conchi qui va protéger Julien Bernard, Antonio Nibali et Jacopo Mosca vont essayer de revenir. Par contre, ça va être compliqué pour Venning qui est déjà en difficulté. On va lui dire de faire un 60. Ah, il est pas bon en montagne, Venning. Hein. Je suis pas sûr qu'il puisse terminer le tour avec nous, malheureusement. Et Padoum qui s'accroche toujours à 1,8 km du sommet du Forcella Valbona. Ça va être compliqué peut-être cette histoire, dis donc. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le Marc Padoun? Il va quand même pas nous contester nos points de la montagne qui nous appartiennent à nous. D'ailleurs on va ralentir parce qu'on a plus de bleu après ça, nous. Hop. Voilà, on va y aller beaucoup plus tranquille. Ah si si, il va nous contester. Ah je confirme, il va carrément nous contester le salaud. Il en a encore dans les chaussettes. Il en a encore dans les chaussettes, Marc Padoun. Allez, 900 mètres. Il va falloir accélérer là. Là, il va falloir accélérer. On arrive à 700 mètres. C'est peut-être un peu tôt pour faire le jump, mais on va tenter. Allez, c'est parti. Et Marc Padoun qui s'accroche dans notre roue. Hein. Il est bien, Marc Padoun. Il est impressionnant, Marc Padoun. Ça y est, il lance la montagne. Mais ça va, on va passer en tête. On a du tout donné. Et on franchit seulement le sommet avec 9 secondes, 10 secondes d'avance sur Marc Padoun, qui a peut-être quand même un peu éclaté là. À voir. Bref, on va faire la descente à fond. Et on se retrouvera pour la prochaine ascension, qui est le manteau, je sais plus quoi. Allez, on est au bas de la descente. On s'approche des lacets de Montvernier. 5,20 désormais d'avance sur le peloton. Marc Padoun est à 35 secondes. Il fait les efforts pour revenir. Ça nous dérange pas plus que ça, dans l'absolu, qui revienne. De toute façon, il est en train de se fatiguer. Il le paiera un peu dans les épreuves suivantes, mais on verra ça tout de suite. Allez, ça colle pas à la géographie des lieux, mais on va dire qu'on est en train d'arriver sur le Passo Durone. Petit col de catégorie 3. Marc Padoun est revenu à 16 secondes. Il fait des efforts, mais pas des efforts insensés. Il joue, il court bien, Marc Padoun. On va quand même augmenter un peu le rythme, histoire de le forcer à se fatiguer pour nous revenir dessus. 12 secondes. Ah, il fait l'effort, il fait l'effort. Nous aussi, on fait des efforts. On a une petite descente qui nous attend. Il va nous remonter, il va nous reprendre, Marc Padoun. 5,30 d'avance sur le peloton avant d'attaquer une nouvelle grosse difficulté, hein, clairement. Puisque ce sera l'ascension du Monte Bondone. Bon. C'est pas... Ça se présente pas très très bien pour l'échapper, mais quand même, 5,30, 5,23, là ça descend un petit peu. Ça peut donner quelque chose de sympathique. En ce qui concerne les autres, le frère Nibali est quand même à 2,30. J'ai pas envie de lui dire de se lâcher, de complètement relâcher son effort. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'il puisse rentrer, donc... Donc à voir. Allez, Marc Padoun qui va nous remonter. On va passer les Merde, je sais même plus comment il s'appelait celui-là. Durone, Passo Durone. En tête, je pense. Et on se retrouvera donc dans le Passo Bondone. Ça y est, on est repris par, par Marc Padoun. Et Marc Padoun qui nous attend pas. Marc Padoun qui est sur un 100%. C'est assez surprenant, hein. Je trouve que j'étais en train de me dire que l'intelligence artificielle gérait vachement bien la Marc Padoun. Mais là c'est surprenant qu'il fasse un effort pareil. Surtout à un kilomètre du sommet de cette petite difficulté. Il devrait pas forcément tarder à envoyer. Il envoie fort, Marc Padoun. Il est en mode un peu indestructible, l'Ukrainien. Allez, il va falloir lancer pour les points montagne. Hop là, c'est parti. Allez, on lui a fait l'intérieur dans le virage. On va aller passer tranquillement en tête. Et on va le garder dans la roue. Voilà, maintenant on va essayer de récupérer avant la descente. On a quand même consommé beaucoup plus d'énergie que ce que je voulais. On se retrouvera dans la prochaine difficulté. Allez, on est en train d'attaquer les premières rampes du Monte Bondone.
Et c'est là qu'on va commencer à rigoler. Je suis pas sûr qu'on puisse rester hein, sur Giulio Ciccone. Parce que derrière, regardez, derrière, ça bombarde. Même Vincenzo Nibali est pas full en énergie. Et c'est pas fait pour me rassurer. Donc on va passer sur Vincenzo Nibali. On va dire à Ciccone de faire un 80. Très bien. Et on va essayer de gérer Vincenzo Nibali tout en gérant Ciccone d'un peu plus loin. Mais alors ça bombarde dans le peloton. C'est les Mitchelton Scott hein, qui font l'effort pour l'instant. Nous je sais pas jusqu'à quand on va pouvoir garder nos... Regardez ça sprint. Ça sprint dans le peloton avant une ascension capitale. C'est assez assez hallucinant. Voilà, on attaque le Monte Bandone également avec Vincenzo Nibali. On va essayer de s'accrocher, mais là il va y avoir des morts. Et je pense que malheureusement on peut déjà demander à ces trois là, même Julien Bernard, on va attendre un peu pour Julien Bernard, de prendre leur ravito et hop là, et d'essayer de venir nous protéger. Parce que vraiment ça va très 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 vite. Les autres, c'est plus la peine de vous faire du mal. Laissez-vous gentiment décrocher. Hop. Peut-être pas Venning qui me semble quand même très très loin déjà. Ouais, Venning ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué la fin d'étape pour lui. On a donné beaucoup d'ordres différents. On va voir s'ils ont été pris en compte. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon, allez c'est parti. Allez, 3,25 d'avance pour l'échapper, ça continue de nous faire du mal, hein. Féliné, Sweet, Vlasov, les Astana, les Ineos. On avait également les Mitchelton Scott il y a une minute qui faisait le rythme pour nous faire du mal. Ah bah il est là, le Mitchelton Scott, c'était Book Walter qui a explosé. Hop là. Ouais, là par contre ça explose un peu dans tous les sens. Matteo Fabro, Eros Capecchi, Luis Menties, ça explose de partout. Nous on est avec Simon Yates. Je crois que Garin Thomas est un petit peu plus loin, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. On est sur un passage difficile. 44 désormais dans ce groupe. Menties qui a explosé. Brandbia, c'est terminé également. Terminé pour Gianluca Brandbia. Il reste que Julien Bernard avec nous. Et Julien Bernard n'en peut déjà plus. Petite forme, Julien Bernard. Eh bah tu sais quoi. Ah non, 800, c'est fatigué, il faut pas. Non, reste sur un 70 du coup, tant pis. Mais essaie de pas être trop loin parce que là c'est le classement. Non, pardon, on va faire autre chose. Accroche-toi sans à-coup. Mais essaie de pas trop te faire larguer parce qu'on a un classement par équipe aussi à jouer. Hein. Maintenant on a 10 minutes d'avance grâce à sa belle échappée d'il y a 2 jours. 3 jours maintenant. Allez, on va s'accrocher. Hop hop hop. Et toujours les Astana en tête qui essayent d'imprimer un gros rythme. 3-20 d'avance pour les échapper. Narvez, c'est terminé. Bowman, série, terminé. On n'est plus que 33 dans ce groupe, si je dis pas de bêtises. Alors 36, non 29. On est 29 dans ce groupe désormais. 3-11 d'avance pour les deux hommes de tête. Samoumen qui pète, ça peut être important au maillot blanc. Et Kovili qui s'accroche toujours. Il est incroyable ce Kovili. Il est absolument incroyable. Alors il a personne à protéger mais quand même. Et Ben Swift qui explose que maintenant. Impressionnant Ben Swift. On l'attendait pas à pareille fête. James Knox, c'est terminé. Rohan Dennis, c'est terminé. Allez, on va faire une mauvaise opération hein, au classement par équipe. Il y a encore 3 Astana ici, 3 Ineos. Et il me semble que ce sont les deux équipes avec lesquelles on est en lutte hein, pour la première place. Et nous, Julien Bernard est déjà à 1 minute 30 derrière. Ça sent pas très bon, alors Ciccone compense un peu tout ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça s'excite. On est en train de se faire lâcher. On est en train de se faire lâcher, je suis obligé d'accélérer. Non, ça va, on est remonté. C'est une portion qui monte pas beaucoup encore. On se retrouvera dans les 5 derniers kilomètres, mais elle est difficile, hein, cette ascension du Monte Bandone. C'est terminé pour Masnada et Nicolas Hédet. On n'est plus que 19 dans ce groupe de tête. Luca Covilli qui vient d'exploser. Luca Covilli qui est en train d'exploser. Il aura tenu longtemps, mais bon, au bout d'un moment... alors, est-ce qu'il y a encore des candidats au maillot blanc? Je ne sais pas. Eh oui, on a encore Tao Gegenhardt et Jack Hay qui sont là. C'est terminé pour Patrick Conrad, pour Zakarine, pour Eduardo Zardini, c'est un peu plus attendu. Attention, on va pas se faire lâcher, encore une fois. On n'est plus que 13 aux avant-postes et ce sont toujours les Astana qui continuent à faire le rythme avec un Miguel André Lopez de feu qui va faire péter tout le monde, hein, tout simplement. Pozzo Ivo est encore là, Kelderman, Maika, Geraint Thomas. Il y a encore un soutien pour Geraint Thomas, ça doit être Gegenhardt, c'est ça. Peyo Bilbao est là. Il reste Kruijswijk également. Et bah après, c'est les favoris, à part Jack Haig. Jack Haig qui est là pour Simon Yates également. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur. 12 désormais d'avance. Pour la tête de course.
Pozzo Vivo a été lâché. Et nous, on est en train de se faire lâcher. Pozzo Vivo a été lâché. Gegen Hunt a été lâché. On l'avait dit, mais Zakarin a été lâché. Zakarin bien placé au général. Hein, il est 6ème. Et on est dans un groupe de 10. Les 10 plus costauds. Et il reste encore de la distance hein, avant le sommet. On n'est toujours pas aux 5 km. Comment va Ciccone? Ciccone, il va être temps pour toi de prendre ton gel bleu. Marc Padoue ne nous lâche pas d'un paix. Allez, ça relance une nouvelle fois. Ah, j'ai pas envie d'utiliser mon bleu là, les gars. J'ai pas du tout envie d'utiliser mon bleu. Vous roulez trop fort. Vous me faites du mal. Allez, les 5 km qui sont un peu au-dessus. Bah, on va continuer ensemble à partir de là. Hein. Ah, ça y est. Jacky qui vient de se faire péter. Enfin. Et attention, attaque de Fuglsang. Fuglsang qui vient d'attaquer. Ah, mais là, il y a plus personne qui a du jus. Hein. Il n'y a plus personne qui a du jus. Allez, Fuglsang, il est à 4 minutes. On peut peut-être laisser partir Yates et Thomas qui vont devoir relayer. Parce que c'est clairement moins dangereux pour nous. Une minute seulement hein, pour les deux hommes de tête. Pourtant, c'est pas non plus des peintres. Mais alors, quelle attaque de Fuglsang? Allez, Yates et Thomas qui sont sur un petit 60. Bah, nous, on va faire pareil du coup. C'est pas à nous d'aller le chercher, Fuglsang. Il est trop loin, là c'est les places sur le podium qui se jouent a priori. En même temps il a raison, il a besoin d'attaquer de loin. Oh Vomer! Non mais sérieusement, c'est quoi ces stops sans déconner? Gestion des collisions, Cyanide! Là je me suis fait décrocher avec vos conneries. Putain! Ah Marc Padoue a lâché! Padoue a lâché! Allez, Ciccone va rester sur son 80 pour les 3 km qui restent. Il va aller marquer les points au sommet. Et ensuite il pourra nous aider un petit peu je pense. Fuglsang qui nous a mis une minute hein, déjà quand même, attention. C'est peut-être la grande forme aujourd'hui pour Fuglsang. Alors que nous on essaie désespérément de remonter sur le groupe Simon Yates, Geraint Thomas. Qui nous a lâché à la suite d'une putain de collision de merde là. Jeu de merde. Jacky qui est légèrement lâché. Oh la vache, ouais, Bernard est déjà à 6 minutes. Ça va être compliqué, Fuglsang à 1.25. Il coince un peu Fuglsang. Et Ciccone qui n'arrête pas. Ah, Ciccone n'aura pas la victoire d'étape, mais il devrait faire quelque chose de sympathique quand même aujourd'hui. Allez, 2 km. On est où? On est là, 2 km 8. 2 km 8 à passer avec cette énergie, ça semble envisageable. Ah, tout le monde a mal aux jambes là. Tout le monde a mal aux jambes. On a recollé au groupe Kreuzweig, Lopez, Thomas, Yates. Qui s'arrête donc de rouler. Bah pourquoi pas messieurs, moi ça me dérange pas. Fuglsang qui nous met une minute pour l'instant. Mais bon, il va s'épuiser tout seul dans la plaine. C'est pas fait pour me déplaire. Ciccone l'énergie. On va passer sur un 70 pour le kilomètre restant. Ah ils ont mal tous hein. Tout le monde a l'air d'avoir mal. Nous on récupère un petit peu. Ah il aura fait du mal hein, ce monté abandonné. On est 6. Il y a Bilbao qui a lâché. Putain mais Kreuzweig, merde. Je vais encore me faire lâcher à cause d'une collusion. Faut arrêter. Kelderman et Bilbao qui se sont fait distancer. Et Ciccone qui est bien devant. Hein. Padoue est nettement lâché. Ah, il va pas être tout seul. Il y aura Padoue avec Fuglsang. Est-ce que j'attaquerai pas un peu maintenant là? Je vais attaquer au kilomètre. Je vais attaquer au kilomètre, messieurs, dames. Sous vos yeux, peut-être un peu plus loin que le kilomètre. Parce que là, ça va quand même être compliqué. Dans le virage. Dans le virage qui arrive pas longtemps après le kilomètre. Allez, Ciccone qui a marqué des points. Et on lance une attaque avec Nibali. C'est parti. Hop, hop, hop. On va voir si ça peut suivre derrière ou pas. Je ne pense pas que ces braves gens soient très frais. Et s'ils le sont, ça explosera un peu. Fuglsang qui est passé en deuxième position. Padoue un petit peu plus loin. Fuglsang qui nous met quand même une 30 hein, déjà. Allez, on a pris 23 secondes avec notre petite attaque, c'est pas grand chose. Et ça arrive à suivre hein, derrière quand même. Allez, c'est parti, la descente à fond. On va essayer de se gérer quand même parce qu'il faut absolument récupérer de l'énergie. D'autant plus qu'elle est un peu traîtresse, hein, celle-là, si je me souviens bien. Allez, 20 secondes d'avance et c'est en train de rouler derrière. Allez, c'est reparti, on arrive sur le petit passage qui remonte un petit peu dans cette descente. On a une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe Lopez. Enfin le groupe Yates et Thomas surtout. C'est pas Lopez qui devrait rouler là. Non c'est Simon Yates qui roule, ça va j'ai rien dit. On a pas mal récupéré, on est en train de remonter Marc Padoue à vive allure, il a un peu pété Padoue. Fuglsang qui se rapproche de Ciccone.
À Ticone, il va falloir qu'ils nous attendent hein, si on continue ce qu'on est en train de faire. En bas de la descente. Allez, allez. Marc Padoun qui est parvenu à accrocher notre roue. Oui, décidément, il nous aura pas lâché de la journée, Padoun. Allez, on arrive sur un nouveau passage qui grimpe un petit peu. On est à 26 secondes. 26 secondes du groupe des gros avec Geraint Thomas et Simon Yates, notamment Kelderman et Bilbao qui ont pris une heure dans les dents. Une minute, pardon, dans les dents. Une heure, ce sera un petit peu violent. Allez, allez, il faut qu'on s'accroche là. Hop. Tu ne collabores pas, tu connais bien entendu. 39 secondes hein, seulement de retard. On a peut-être moyen de le rattraper dans la descente encore là. Hein. Alors que Crushvice s'est extirpé du groupe. Ah, derrière, ça roule fort aussi. Ça roule fort. On a une quarantaine de secondes d'avance désormais. Grosse descente de Nibali. Allez, allez. Allez, allez. Faut quand même économiser un peu de bleu aussi hein, pour la descente, pour le plat à venir. C'est pour ça que j'aurais besoin de Ciccone. Au pire, on lui demandera de nous attendre. L'écart est pas énorme. Mais il faudrait surtout que je récupère mon bleu là en fait. Si ça pouvait descendre, ce serait bien. Merci. Allez, on a dû dire à Ciccone de nous attendre hein, pour nous aider un peu à remonter sur Fuglsang. On était à 30 secondes à un moment. Ciccone, je t'ai dit de faire un rythme. Ne me demande pas de passer un relais là, putain de toi. Et le groupe Lopez qui est en train de revenir très fort derrière. Ah, ça doit se fatiguer, ça bourrine hein, pour revenir sur nous. Nous, on est plutôt à l'économie pour l'instant. Et Fuglsang qui ne craque pas du tout, qui est en train de laisser beaucoup de force dans la bataille. Ça pourrait être intéressant pour la montée finale. Ciccone, qu'est-ce que tu branles? Mais Ciccone, c'est quoi ce virage de pute? Non, mais sérieux, c'est un attentat là! Putain! Bon, bah écoutez, là tu vas arrêter de rouler, mon pote, tu vas me protéger maintenant. De toute façon, les autres sont un peu obligés de rouler, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va se mettre dans les roues et les laisser bosser. Allez, allez. Et oui, Fuglsang qui est tout seul devant, hein, du coup, arrivé dans 20 km. Allez, on se retrouvera au pied de l'Alpe d'Huez. 48 secondes de retard sur Fuglsang pour l'instant. On a tous les gros avec nous, en tout cas tous les plus gros, pas tous les plus gros. Mais non, le quatrième est là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, le sixième est lâché. Et oui, c'est Zakarin le sixième. C'est Zakarin le sixième. Allez, c'est parti. Yates qui attaque direct dès le pied de l'Alpe d'Huez. Non, 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 il attaque pas, il essaye de faire un rythme pour revenir sur, sur Fuglsang. Moi ça me convient plutôt bien. On attaque plutôt en position de force hein. Ciccone a donné tout ce qu'il pouvait. On va essayer de le garder comme ça, au moins pour le classement par équipe. À la limite, fais-toi même décrocher gentiment, hein. Tu te feras moins de mal, je pense. Et nous, on va essayer de se démerder avec Nibali à partir de là. Allez, 26 secondes, on est en train de remonter sur, sur Fuglsang qui a dû laisser beaucoup, beaucoup de force. Il reste 13 km dans cette ascension finale. Allez, allez, on serre les dents. La Madonna di Campiglio au sommet. 14 secondes. Ouais, il est en train de. Il a abandonné l'effort, clairement. Fuglsang. Miguel André Lopez qui a suivi. Gratuit, du coup, tranquille. Et Ciccone qui est en train de faire des efforts. Hein, ça me plaît pas trop. Bilbao et Kelderman vont prendre très très cher dans cette étape. Le 8e et 9e du général vont être définitivement lâchés. Attention à Yates qui est sorti. On a un groupe Yates Fuglsang devant. Ça fait pas trop mes affaires. Allez, on est remonté. Ah mais là du coup Ciccone, j'ai peut-être avoir besoin de toi. Fais-nous un rythme. On n'est pas là pour les laisser se reposer, ces petits gars. Allez, on va mettre une attaque. Hop. Attaque dans le virage. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Reprends-le, je me laisse décrocher tranquille. On va les pousser un peu à l'effort hein, derrière, c'est normal. Et c'est Maika qui fait l'effort pour nous revenir dessus. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts de fait dans la plaine par Thomas et par Yates surtout pour revenir sur, sur Fuglsang. Allez, je vais tenter d'y aller à la pédale. Je vais tenter d'y aller à la pédale, de les fatiguer petit à petit, on sait jamais. Ciccone s'est fait décrocher, c'est très bien. Ciccone, tu passes sur un 70 s'il te plaît. Padoun également s'est fait décrocher. On est 7 devant, les 7 plus costauds a priori. Miguel Angel Lopez est 10e, mais sinon c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 7
Le sixième étant Zakarin, relégué à 4 minutes. Il va perdre des places aujourd'hui, Zakarin. Fulsang a dû faire beaucoup d'efforts. Il devrait pas tenir très très longtemps. D'ailleurs, est-ce qu'il vient pas de craquer là? Non, il a pas encore craqué. Il a pas encore craqué, Fulsang. Allez, hein, faut pas oublier qu'il y en a... Si, Fulsang, c'est fini. Fulsang, c'est fini. Il a fait trop d'efforts. Il est obligé presque de se garer, Jakob Fulsang. Et on est à 10 km de l'arrivée. Il va prendre cher, Fulsang, aujourd'hui. Miguel André Lopez qui l'attend ou qui craque, je ne sais pas. On n'est plus que 5 devant Maika, Thomas, Kroschweik et Simon Yates. Et bien entendu, Vincenzo Nibali. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous ces gars-là, il n'y en a plus que deux qui sont encore vraiment sur le Giro. Entre les deux cas Covid et le mec qui roule sur des bidons. Allez, allez, on s'accroche. Elle va valoir cher. Elle va valoir cher celle-là. Il est en forme, hein, Kroschweik, aujourd'hui, clairement. Et là, ça ment pas. 1, 2, 3, 5 et 7. Le quatrième qui va prendre très très cher. Attention à Fulsang. Il est déjà à 40 secondes. Ah, il perd du temps. Il perd du temps, le groupe Fulsang. Kroschweik qui doit se frotter les mains, mais il y a quand même plus de 2 minutes. Hein. Presque 3 pour que Fulsang, que Kroschweik puisse remonter sur Fulsang. Pour l'instant, nous, on continue à faire le rythme. Et personne n'a l'air de trop vouloir nous aider. Eh ben, c'est pas grave. On va continuer sur ce petit rythme-là. Attendre que ça s'énerve un peu plus. 8 km 2, il y a encore de la distance quand même, hein. On peut pas non plus se permettre de trop faire n'importe quoi. On n'oublie pas que les derniers kilomètres sont les moins violents. Et le groupe alors Ticone qui s'est fait gentiment décrocher. Ah, il a pété Ticone, ouais, il a pété. Le groupe Lopez qui continue à perdre du temps, hein. Le groupe Fulsang surtout à 1 minute désormais. Maika, ça tient. Kroschweik, ça tient. Yet, ça tient. Thomas, ça tient pour l'instant. Il va falloir attaquer au bout d'un moment dans ce groupe. Il va falloir attaquer, même si pour l'instant on peut y aller encore à la pédale. Allez, allez. Oh, Maika qui s'accroche. Hein. Maika qui s'accroche, qui fait tout le boulot. Derrière nous, du moins. Ah ouais, mais là on prend nos responsabilités. Hein. Y a personne devant. Si on veut leur faire du mal, bah c'est à nous de faire le boulot. Allez, 6 km 7. Attention à pas mettre trop d'attaque. Hein. J'ai envie là d'en mettre dans les virages, mais je suis pas persuadé que ce soit la meilleure des idées. Pardon. 6 km 4 encore. Yates qui se met dans ma roue et qui fait un petit 60. Eh ben tiens, si tu veux prendre un relais, mon petit Yates, vas-y. Guérin Thomas, Guérin Thomas qui a craqué. Guérin Thomas a craqué, Yet qui roule du coup. On le voit plus, Guérin Thomas, il est déjà à 30 secondes. Oh, il a pris une cartouche là, Guérin Thomas. Il a la tête baissée. Il est pas bien, il est pas bien. Oh, on va faire des dégâts. Allez, faut pas s'arrêter de rouler maintenant. C'est Guérin Thomas le plus dangereux qui t'a aidé, Simon Yet qui devrait repasser. Très prochainement, voilà, c'est fait. Repasser second. On a aussi la bataille pour le maillot blanc, hein, qui est intéressante. Puisque entre Tao Gegenhardt et Luca Covilli, il y a une différence très très ténue. 5 km du sommet. On continue à rouler. Toujours Simon Yates dans la roue. Maika est là également, mais Kroschweik a lâché. Maika qui semble en grande forme. Tao Gegenhardt qui est 1 minute 30 devant. Attendez. Que je vois ça. Premier, d'accord. 1,47. Oh, 1,10. 1,10. Il va bien remonter en tout cas Tao Gegenhardt. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Luca Covilli, on le rappelle, hein, qui a été éliminé en vrai dès la première étape. Il a connu 2 incidents mécaniques pendant le contre-la-montre. Pas de bol. Thomas à 1 minute. Kroschweik à 43 secondes. Et nous, on emmène. On emmène Simon Yates. On emmène. Comment il s'appelle ? Rafał Majka, qui a l'air en bonne forme, hein, quand même, faut le dire, Rafał Majka. Et non, c'est fini également pour Rafał Majka qui a coincé. On va les avoir à la pédale. Il reste que Simon Yates face à nous, qui rebelle encore. Et il est fort aujourd'hui, Simon Yates. Allez, allez, on va pas abandonner maintenant. Oh, qu'elle va faire du bien cette étape. C'est l'étape où on gagne définitivement le Giro, messieurs, dames. Et Simon Yates qui vient de péter. Simon Yates qui vient de péter.
C'est officiel, nous allons gagner le Giro à moins d'un drame demain. Mais nous allons déjà remporter cette étape au sommet de Madonna di Campagno. Et attendez, j'ai peut-être dit n'importe quoi. C'est Madonna di Campagno ou... Le mec, il est en train de mener sur le Giro d'Italia. En même temps, il check son téléphone et tout. Madonna di Campiglio, pardon. Madonna di Campiglio. Allez, c'est le moment de faire des écarts là. Oh là là, mais quel Giro on fait les gars. Mais quel Giro on fait. Une deuxième semaine monstrueuse qui se poursuit. Depuis la 11e étape, on a gagné presque toutes les étapes tout simplement. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus pour vous montrer à quel point on a dominé. Allez, il faut y aller. Il faut pas terminer avec de l'énergie en bonus. On est encore sur un passage qui remonte pas mal. On va prendre tout notre bleu. 40 secondes sur Yates, 1.05 sur Maika, 1.33 sur Krojvajk, 1.55 sur Thomas. Et ça continue de monter. Comment va Chicone? Chicone, il est dans le dur. Chicone, il est dans le dur. Il est dans un groupe avec Bilbao qui doit faire un bon rythme quand même. Julien Bernard, lui, il se gère à peu près. On va perdre un petit peu de temps, hein, malheureusement, au classement par équipe, je pense. Encore que c'est pas sûr parce que il y en a quelques-uns qui ont craqué. Il faudra faire les comptes une fois arrivé. Mais déjà on va savourer cette victoire qui se profile avec Nibali. Une victoire capitale. On va faire des écarts assez monstrueux. 1 minute sur Yates, 1.30 sur Maika. Allez, dernier kilomètre. On va accélérer. Oh, pas à fond hein. Pas à fond, juste de quoi pouvoir célébrer. Allez, on relance un petit peu. 400 mètres. Allez, on peut se permettre d'y aller à fond là. On relâche et on célèbre avec Vincenzo Nibali. Quelle putain de victoire les enfants, c'était assez monstrueux. Allez, on va revoir hein, l'arrivée de Vincenzo Nibali. Encore puissant, encore costaud, il en avait de réserve. Il peut même célébrer joyeusement devant aucun public. Hein. Covid oblige, pas de public malheureusement pour l'arrivée de Vincenzo Nibali, j'arrête de me moquer du jeu. Derrière c'est pas lui, derrière c'est lui, c'est Simon Yates qui va être celui qui aura le mieux limité la casse aujourd'hui. Mais alors Nibali était en feu, Nibali était invincible et pourtant il était en forme normale. On a plutôt très bien géré cette course je pense. Allez, Simon Yates qui va signer une belle deuxième place. Rafał Majka pas très loin qui va faire un bon je pense au classement général même s'il était un peu loin. Steven Krojvajk doit être une quarantaine de secondes derrière. Puis Geraint Thomas qui lui doit approcher les 2.33 minutes d'écart. Fullsang en défaillance, il en a trop fait Fullsang, il a fait énormément d'efforts. Ils ont tous fait des efforts quand nous on s'est reposé. Fullsang lâché dans les derniers mètres par Miguel Angel Lopez, c'est cruel. Fullsang qui passe en défaillance. Peyo Bilbao qui arrive un petit peu plus loin. Juste devant. Ah non, pardon, c'était Marc Padoun. Devant Peyo Bilbao. Puis Giulio Ciccone qui a terminé relativement tranquille. Kelderman va être un des grands perdants hein, également de la journée. Pozzovivo qui aurait pu faire une bonne opération mais qui a craqué dans le final. Et derrière, c'est beaucoup plus loin. Il va y avoir des gros perdants aujourd'hui. Nouvelle victoire d'étape pour la Trek Segafredo, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être la 6ème en 7 étapes et la 8ème ou la 9ème, je sais plus, au total. On est énorme. Vraiment sur ce Giro, on se gave pour l'instant. Vincenzo Nibali plus que jamais. Maillot rose, on voit pas trop ce qui pourrait lui arriver hein, à présent. Avec une avance pareille, avec une avance comme celle qu'il a construite aujourd'hui sur l'étape de montagne, peut-être la plus difficile. A priori, on ne devrait plus perdre ce Giro. Vu comme Geraint Thomas et Simon Yates sont craqués aujourd'hui. Nibali qui, bien entendu, conforte son maillot cyclamen avec cette victoire. Et Vincenzo Nibali qui aura marqué beaucoup de points au classement grimpeur. Je pense que Giulio Ciccone doit quand même rester devant. On va voir ça tout de suite. Je crois que c'est Ciccone, ouais. Ouais, le maillot Azzurro, toujours sur les épaules de Ciccone. Ah, il a quand même marqué 50 points, 55, 52 points.
aujourd'hui, plus il a terminé 10e de l'étape, donc il a dû avoir quelques points. Il est en tête du classement. Et le maillot blanc pour Tao Gegenhardt qui repasse devant Luca Covelli 19. Bon, et ben voilà, j'avais dit que c'était pas fini pour le maillot blanc. Je ferai sûrement un Giro maillot blanc avec pas Tao Gegenhardt, pas non plus Luca Covelli. Que je vais. Alors j'ai envie de le baisser en contre-la-montre, le pauvre, hein, mais. Mais en même temps, c'est pas de sa faute si il a cassé deux fois, enfin son vélo a cassé deux fois pendant le prologue, enfin le premier contre-la-montre, le contre-la-montre inaugural, pardon. C'est pas de sa faute, mais bon, il y a bien un endroit où ça a dû couiller parce qu'il a terminé à 7 minutes, je crois, un truc comme ça. Alors est-ce que la voiture était pas derrière, je ne sais pas. Mais clairement, il y a eu un gros souci en ce qui concerne Luca Covelli en vrai. En tout cas, dans le jeu, il se défend bien et on va voir où il en est. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu Peter Wenning qui a terminé hors délai comme beaucoup de monde. Hein. C'est fini pour Bellavica, c'est fini pour Sean Bennett, c'est fini pour Eduardo Affini, c'est plus surprenant. C'est fini pour Rudier Barbier qui était très loin. Cataford terminé aussi. Wenning terminé. Alex Dowsett. Hepburn terminé aussi. Et Fernando Gaviria est out. Valerini, Viviani, Gemper, Dibben et Van Emden sont pas passés loin de la correctionnelle également. Au maillot à poids, 42 points. 42 points ? Ah, c'était que 20 points par col. D'accord. C'est surprenant, mais très bien. Ciccone qui marque donc 42 points, 30 points pour Nibali et Padoun Simon Yates. 21, j'ai pas. Attendez, on va commencer par le principal. Victoire de Nibali déjà. 1,25 d'avance sur Yates. 1,54 sur Maika. 2,30 sur Krojvijk. Et 2,55 sur Geraint Thomas qui était en mauvaise forme et qui n'a pas bien choisi son jour pour être en mauvaise forme. Simon Yates en excellente forme n'est pas arrivé à nous suivre. C'est vous dire la performance qu'on a réalisée. Ciccone qui termine à 5 minutes, mais on lui avait dit hein, de lever le pied. Il va faire un petit bond au général lui aussi, hein, l'air de rien. Au niveau du alors ça c'est surprenant, c'est Geraint Thomas qui marque le plus de points au maillot à poids devant Nibali et devant Pozzovivo et Nibali au moins. Niveau du maillot blanc, c'est Padoun qui réalise la meilleure performance. Il a fait un sacré retour lui aussi, Padoun, au classement maillot blanc. Gegenhardt termine à 3,34, Vlasov à 4,29. Ah oui, il a explosé Covelli sur la fin. Il a complètement explosé, il perd presque 3 minutes, il perd 2 minutes 49. Et il y a pas mal de monde qui va lui reprendre de l'avance, mais c'est surtout Gegenhardt qui doit très bien se replacer. La Trek Segafredo qui termine une nouvelle fois première et qui reprend encore 2-10 à la Astana. Et alors l'Ineos a complètement explosé sur cette étape. Et le plus combatif, c'est Ciccone. Un coup de Ciccone, un coup Brandbia, ils alternent. Allez, le classement général à présent avec Nibali qui dispose désormais de 3,48 sur son dauphin, qui est désormais Simon Yates, qui lui-même a une minute d'avance sur Geraint Thomas. On est confort. On est très confort. Fulsang, qui a pris cher hein, aujourd'hui, à 8,11. Krojvijk, qui a réalisé une bien meilleure performance, est 1 minute 21 derrière. Maika, qui reprend une place. Alors attendez, oh, c'est Zakarin. Zakarin a pris très cher. Maika qui dépasse Zakarin et Bilbao qui dépasse Zakarin et Kelderman. Lopez qui dépasse également Zakarin, qui est désormais à 19,57. Ah, il a bien tenu jusque-là, le russe. Et pourtant, il était en bonne forme, mais ça n'a pas suffi. Karl Friedrich Hagen reprend quelques places, il est désormais 11ème. Julien Bernard perd une place au profit de Domenico Pozzovivo pour 8 petites secondes. Nicolas Hédé a repris une place également, lui qui était 16ème, il a dépassé Fausto Masnada, Thomas de Gent et 14ème. Au niveau du maillot, Azzurro, c'est Ciccone qui est devant avec 48 points d'avance sur Nibali. Et 49 sur Brandbia, la Trek Segafredo, qui montre sa domination hein, dans la montagne. On a également Julien Bernard qui est bien placé en 8ème position. Nibali qui domine toujours le classement cyclamène devant Yates, Sagan, Thomas et Brandbia, qui n'a pas pu marquer de points. Aujourd'hui au niveau du maillot blanc, c'est donc Gegenhardt qui est premier avec 1,02 d'avance sur Luca Covelli. Vlasov est à 4,43, il s'est bien replacé Vlasov. Samoumen à 6,22, Ben O'Connor à 6,57 et 7,08 pour James Knox, plus 3 places pour Padoun et Hindley à 8,28 et 17,25. On n'a pas trop souligné la performance d'Hindley, c'est vrai qu'il fait une très belle place, je ne sais plus combien il termine.
mais il fait vraiment une très jolie place. On va aller voir ça tout de suite. Je crois qu'il doit, il doit faire top 15 ou top 20, ce qui est quand même, bah, c'est pas dégueulasse hein, pour un ch'ti coureur comme ça. McNulty a perdu 2 places, par contre il a un peu pris cher. McNulty, il avait essayé d'attaquer en début d'étape, j'imagine que ça ne lui a pas trop réussi. Alors là par contre le jeu a un peu bugué. Merci. Inlay 21ème, il fait pas top 20, mais il est dans le temps du top 20, pas mal, honnêtement pas mal, puisqu'il termine, je crois, 3 ou 4ème jeune de l'étape, 4ème jeune de l'étape. Bon, il était en excellente forme aussi, forcément, ça aide un petit peu. La Trek Segafredo désormais avec 13-29 d'avance sur la Astana et 17-22 sur la Team Ineos Grenadier qui a vraiment pris cher aujourd'hui. Et Brandbilla toujours le plus combatif devant Chicone qui dépasse Ben Gastower. Nous avons gagné l'étape, nous avons un bonus de récupération, mais nous avons perdu Peter Wenning, pardon. C'était la mauvaise nouvelle de la journée. On a pris cher, on a tous pris très 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 cher. Et c'est pas fini parce qu'on a encore quelques étapes bien sympathiques qui nous attendent. À commencer par l'étape de demain entre Pinzolo et Laghi di Concano. On aura quelques cols sympathiques au programme, mais on verra ça demain. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce qu'a fait Mega Driver 16. Il y avait beaucoup de suspense sur son Giro. Oh, moi, je pense qu'on peut dire que c'est bon, il n'y a plus de suspense, j'ai gagné. Imaginez que je perde 4 minutes sur les dernières étapes. Mais comme je passe pour un con, mais ça n'arrivera pas. Là, 4 minutes, honnêtement, je m'imagine pas perdre 4 minutes à moins d'une énorme défaillance. Faudrait que j'ai tous les derniers cols, toutes les dernières étapes en forme extrêmement mauvaise. Et encore, je suis pas sûr que ça suffise, mais j'ai pas envie de vérifier. Allez, jetez un petit coup d'œil à Mega Driver 16. C'était Ryan Gall. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao!